Le portail du lion n'est pas encore terminé. Il y a plus à faire. Vous êtes sur le point d'assister à nouveau à un événement astrologique très rare et puissant. Il ne cesse d'apporter d'autres événements. Ne manquez pas ce qui pourrait être un moment astronomique unique dans une vie. Une conjonction Mars-Jupiter se produit lorsque Mars et Jupiter apparaissent très proches l'un de l'autre dans le ciel de notre point de vue sur Terre. Cet événement ne concerne pas seulement l'alignement visuel de deux planètes. Il a une signification plus profonde. En astronomie, une conjonction comme celle-ci est un événement rare qui attire l'attention des scientifiques et des passionnés. Il est important de noter qu'un tel événement ne se produit pas souvent. Après le 14 août 2024, la prochaine conjonction Mars-Jupiter n'aura pas lieu avant 2033. Spirituellement, cet alignement est considéré comme puissant. Bien que les planètes elles-mêmes ne changent pas, leur positionnement influence la façon dont nous ressentons et vivons le monde. Mars et Jupiter sont deux des planètes les plus influentes de l'astrologie, et lorsqu'elles se réunissent, leur énergie combinée est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Cette conjonction n'est pas seulement un beau spectacle, c'est un moment rempli de potentiel de croissance et de transformation. L'énergie de cet événement peut avoir un effet important sur votre vie, ce qui en fait une occasion unique de réfléchir et d'agir. En astrologie, chaque planète représente différents aspects de notre vie, influençant notre comportement, nos émotions et nos actions. Mars et Jupiter sont deux des planètes les plus importantes, chacune avec sa propre énergie et son propre impact. Mars est souvent appelée la planète de l'action. Elle est associée à la colère, au courage et à la volonté d'atteindre des objectifs. Mars représente notre force intérieure et notre détermination, l'énergie que nous utilisons pour surmonter les obstacles et poursuivre ce que nous voulons. Elle incarne notre volonté, la force qui nous pousse à agir, à prendre des décisions et à relever des défis. Lorsque Mars est fort dans le thème astrologique d'une personne, il peut lui donner le courage de prendre des risques, l'énergie de persévérer et l'initiative de lancer de nouveaux projets ou de faire face à des situations difficiles. D'autre part, Jupiter est connu comme la planète de la sagesse et de la croissance. Elle symbolise l'expansion, la prospérité et la bonne fortune. L'énergie de Jupiter concerne l'apprentissage, la recherche de connaissances et l'apprentissage. Cette planète nous encourage à explorer de nouvelles idées, à élargir nos horizons et à poursuivre des études supérieures ou une compréhension spirituelle. Jupiter représente également l'abondance et les opportunités qui se présentent à nous, souvent liées à la chance ou à un timing heureux. Lorsque Jupiter est fort dans le thème d'une personne, il peut apporter un sentiment d'optimisme, un désir d'exploration et une capacité naturelle à attirer la prospérité et les expériences positives. Lorsque l'on considère ces planètes ensemble, Mars et Jupiter représentent une puissante combinaison d'énergie et de sagesse. Mars fournit la motivation et l'impulsion pour agir, tandis que Jupiter offre les conseils et la perspicacité nécessaires pour prendre des décisions judicieuses et élargir sa vie. Comprendre la signification astrologique de ces planètes nous aide à reconnaître l'influence qu'elles ont sur nos actions et nos pensées, en particulier lors d'événements importants comme une conjonction. Mars n'est pas seulement une planète d'action et d'impulsion en astrologie. Elle porte également une profonde signification spirituelle. Spirituellement, Mars représente le guerrier en chacun de nous. Cette énergie guerrière concerne notre force intérieure, notre courage et notre détermination. Elle incarne les instincts primaires qui nous poussent à survivre, à avancer et à atteindre nos objectifs. Mars est le feu en nous, la force qui alimente nos passions et nos ambitions, nous donnant la motivation de poursuivre ce que nous voulons dans la vie. Lorsque nous parlons de Mars dans un sens spirituel, nous parlons de plus que d'énergie ou de motivation. Il s'agit du feu intérieur qui nous propulse à travers les défis de la vie. Mars,
nous encourage à prendre des mesures audacieuses, à affronter nos peurs de front et à nous affirmer lorsque cela est nécessaire. L'énergie de cette planète est axée sur l'action, la prise d'initiative et le fait de ne pas reculer devant les obstacles. Elle nous pousse à défendre ce en quoi nous croyons et à poursuivre nos désirs avec confiance et détermination. Pendant la conjonction Mars-Jupiter, l'énergie spirituelle de Mars est amplifiée. C'est une période où vous pouvez ressentir une envie plus forte d'agir, de prendre des décisions et de prendre le contrôle des situations de votre vie. L'énergie de Mars, pendant cette conjonction, peut être très puissante, vous poussant à aborder les domaines de votre vie où vous devez agir ou tenir bon. Cependant, il est important de gérer cette énergie avec sagesse. L'énergie ardente de Mars, bien que motivante, peut également conduire à des décisions impulsives si elles ne sont pas équilibrées par la réflexion et la considération. Il existe un risque d'agir trop rapidement ou de manière agressive sans bien comprendre les conséquences. C'est pourquoi il est essentiel de tempérer l'énergie de Mars avec sagesse et réflexion, en particulier lors d'un événement puissant comme cette conjonction. Jupiter est souvent appelé la planète de l'expansion, de la sagesse et de la croissance spirituelle. Dans le domaine spirituel, Jupiter nous encourage à regarder au-delà de la surface et à rechercher des vérités plus profondes. C'est une planète qui représente le voyage vers l'illumination, nous guidant pour explorer de nouvelles philosophies et élargir notre compréhension du monde qui nous entoure. Jupiter nous invite à nous connecter à des vérités supérieures et à explorer la vision plus large de la vie. L'énergie de Jupiter consiste à voir le monde d'un point de vue plus large, à comprendre l'interdépendance de toutes choses et à reconnaître les opportunités de croissance qui existent dans chaque situation. Pendant la conjonction Mars-Jupiter, l'énergie spirituelle de Jupiter est amplifiée. C'est une période où vous pouvez ressentir une forte attirance pour la croissance personnelle et l'exploration spirituelle. L'influence de Jupiter pendant cette conjonction offre une opportunité unique d'élever votre conscience, d'élargir votre compréhension et d'approfondir votre connexion avec les aspects spirituels de la vie. Cette période est propice à l'introspection, à l'apprentissage et à l'ouverture à de nouvelles possibilités. Jupiter représente également l'abondance et la prospérité, non seulement au sens matériel, mais aussi en termes de sagesse et d'épanouissement personnel. L'énergie de cette planète vous aide à attirer des expériences positives, des opportunités de croissance et la sagesse nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Embrasser l'énergie de Jupiter pendant cette conjonction peut conduire à un sentiment d'expansion dans votre vie, que ce soit en acquérant de nouvelles perspectives, en connaissant une croissance personnelle ou en trouvant un sens plus profond de votre vie. C'est le moment de saisir les opportunités de croissance et d'illumination qui s'offrent à vous, de vous ouvrir à la sagesse que Jupiter offre et de laisser cette sagesse vous guider vers une vie plus épanouissante et plus significative. Lorsque les énergies de Mars et de Jupiter se réunissent, en particulier dans une conjonction, leur interaction peut conduire à un mélange complexe de résultats. Mars, connu pour son assurance, son dynamisme et son orientation vers l'action, apporte une énergie ardente et déterminée. Jupiter, d'autre part, représente l'expansion, la croissance et la sagesse, contribuant à une force plus expansive et optimiste. La combinaison de ces deux énergies peut créer à la fois des opportunités et des défis. Du côté positif, lorsque Mars et Jupiter s'alignent, leur influence combinée peut conduire à une poussée de motivation et d'ambition. Cet alignement fournit souvent un regain d'énergie et d'enthousiasme, ce qui en fait le moment idéal pour prendre des mesures audacieuses et poursuivre de nouveaux objectifs. Les tendances impulsives et parfois agressives de Mars peuvent entrer en conflit avec la nature plus expansive et parfois trop indulgente de Jupiter. Cela peut entraîner une tendance à aller trop loin ou à prendre trop de choses à la fois, ce qui conduit à des efforts dispersés ou à des attentes irréalistes.
Le besoin d'action immédiate et de résultats rapides alimentés par Mars peut entrer en conflit avec le besoin de Jupiter de planification minutieuse et de réflexion réfléchie. Ce conflit peut créer des tensions et conduire à des défis pour maintenir l'équilibre et la concentration. De plus, l'intensité des énergies combinées peut conduire à des émotions ou des conflits accrus dans les relations. L'affirmation de soi de Mars peut conduire à des confrontations ou à des désaccords, tandis que l'influence expansive de Jupiter peut amplifier ces conflits ou conduire à un désir de repousser les limites. Il est important d'être conscient de la façon dont vous canalisez cette énergie, en vous assurant que vos actions sont alignées sur une réflexion réfléchie et non motivée uniquement par l'impulsion. Comme vous l'avez déjà compris, la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux est un événement unique avec une énergie puissante que vous pouvez exploiter pour la croissance et le progrès personnel. Les Gémeaux, le signe dans lequel cette conjonction se produit, sont connus pour être associés à la communication, à la pensée et à l'activité mentale. Cela signifie que l'énergie pendant cette période peut être très stimulante sur le plan mental, mais elle peut aussi sembler dispersée ou agitée. Vous pourriez avoir du mal à rester concentré ou à organiser vos pensées. Si vous parvenez à diriger cette énergie avec soin, elle peut conduire à des progrès significatifs dans votre vie. L'un des principaux défis pendant cette conjonction est d'éviter de trop vous disperser. L'énergie des Gémeaux peut vous inciter à lancer de nombreux nouveaux projets ou à poursuivre plusieurs intérêts à la fois. Bien que cela puisse sembler excitant, cela peut conduire à un manque de concentration et finalement entraver votre progression. Au lieu de cela, c'est le moment de vous concentrer sur un projet actuel qui est important pour vous. Utilisez l'énergie mentale abondante des Gémeaux pour faire avancer ce projet avec clarté et détermination. Il est également important de reconnaître que Mercure, la planète de la communication, sera en rétrogradation le mois prochain. Cela signifie que le moment est venu de progresser dans vos objectifs et de jeter les bases de votre réussite future. Une fois que Mercure rétrograde commence, il peut être plus difficile de lancer de nouveaux projets ou de prendre des décisions claires, alors profitez de l'élan actuel. Pour tirer le meilleur parti de cette conjonction, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Prenez le temps de clarifier vos objectifs et vos intentions et utilisez l'énergie de Mars et Jupiter pour avancer avec détermination. C'est le moment d'agir avec intention, en exploitant l'énergie dynamique de la conjonction pour faire des progrès significatifs. Les prochaines 24 heures marquent une étape critique, période pendant laquelle la conjonction Mars-Jupiter atteint son apogée. Cet événement astronomique rare, visible le matin du 14 août 2024, est une opportunité qui ne se représentera pas avant 2033. Cette conjonction coïncide avec la pluie de météores de Perséide, l'une des pluies de météores les plus spectaculaires de l'année. La combinaison de ces deux événements célestes crée un champ énergétique unique et puissant. L'énergie spirituelle pendant cette période est renforcée, offrant une rare chance d'accéder à un niveau de conscience plus profond et à un pouvoir personnel. La conjonction Mars-Jupiter ne consiste pas seulement à assister à un beau spectacle dans le ciel, mais à comprendre la signification de cet alignement et à l'utiliser à votre avantage. Les énergies de Mars et de Jupiter sont intensifiées, créant une force puissante qui peut vous pousser vers l'action, la croissance et la transformation. Mars apporte la détermination et le courage de relever les défis, tandis que Jupiter offre la sagesse, l'expansion et la capacité de voir les choses dans leur ensemble. Ensemble, ils créent une énergie dynamique qui peut vous aider à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs. Au cours des prochaines 24 heures, il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous voulez accomplir et à la manière dont vous pouvez exploiter cette énergie pour avancer. Qu'il s'agisse de définir de nouvelles intentions, de prendre une décision importante ou d'agir sur quelque chose que vous avez repoussé, c'est le moment de le faire.
L'énergie de cette conjonction peut vous aider à gagner en clarté, en concentration et en motivation pour poursuivre vos objectifs en toute confiance. De plus, l'influence de la pluie de météores de Perséide ajoute une couche supplémentaire d'énergie spirituelle. Alors que les météores sillonnent le ciel, ils symbolisent la libération des anciens schémas et la purification de l'énergie. C'est le moment de laisser tomber ce qui ne vous sert plus et d'accepter les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ne laissez pas passer ce moment puissant. Profitez de cette journée pour vous aligner sur les énergies de Mars, Jupiter et de la pluie de météores de Perséide. Profitez de ce moment pour vous concentrer sur votre croissance personnelle, définir de nouvelles intentions et prendre des mesures décisives. Ce faisant, vous pourrez exploiter tout le potentiel de cet événement céleste rare et puissant, ouvrant la voie à des changements positifs dans votre vie. Que vous vous fixiez de nouveaux objectifs, que vous poursuiviez des rêves de longue date ou que vous recherchiez une compréhension plus approfondie, cette journée offre une chance unique d'exploiter cette force combinée. N'oubliez pas que c'est le moment d'agir avec intention, d'embrasser de nouvelles possibilités et de canaliser les énergies de Mars et de Jupiter de manière réfléchie. Alors que le ciel s'illumine avec la conjonction et la pluie de météores de Perséide, laissez-la vous rappeler le vaste potentiel qui est en vous. Profitez de ce moment pour inspirer le changement, faire des gestes audacieux et élargir vos horizons. L'univers s'aligne d'une manière qui soutient votre croissance, la voit avec enthousiasme et sagesse. Si vous regardez toujours, j'aimerais vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour un contenu plus approfondi. Plus que des mots, nous voulons partager de l'amour à travers des actes, nous voulons venir en aide aux personnes retraitées, mères célibataires, des personnes en grande difficulté, qui ont du mal à finir leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 euros le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement. Mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David, pour la Sagesse Infinie. Soyez bénis, mes amis.